فيستيفال جدار هذه النسخه الخامسه ديالو هذا العام سي لا 5 اديسيون وكل عام كنحاولوا اننا نديروا اون بروغراماسيون اللي كتكون فيها لا ديفيرسيتي من ناحيه الناس اللي كيجيو من خارج المغرب ولا من المغرب من ناحيه حتى لا ديفيرسيتي في في لي ستيل دو ترافاي لي ستيل دو بانتور وعندنا بليزيور بارتناريال اللي كنديروهم مع دي ستركتور كولتورال في الرباط منهم ليكول داركتيكتور ديال غابه ليكول ناسيونال داركتيكتور لينا منهم لو موزي محمد سيس اوسي دار كونتمبورين و بليزيور اكتيفيتي باراليل مع لاكتيفيتي برينسيبال اللي هي الرسم على الجدران. Donc derrière tout ça, le but c'est aussi de lancer une scène locale, une scène avec une nouvelle génération de muralistes, de street artistes déjà qui pratiquent, qui sont là depuis pas mal d'années parce qu'il y a plein de communautés de graffeurs un peu à travers tout le royaume. L'idée c'est aussi de convertir, de ramener d'autres disciplines, des artistes comme des arts plastiques, du graphisme, du digital, de l'illustration, de les ramener à la rue pour partager un peu leur travail, leurs œuvres avec un peu le grand public. C'est la première fois que j'étais avec le collectif l'année dernière. J'ai assisté à un artiste marocain, Eramo. Cette année, j'ai eu un défi très grand. Mais j'ai eu un sujet maghrébi اللي كنعيشوه كامل المغاربه اللي هي لا فام ستيريل عاقره ما كتقدرش تولد غتشوفوا لي زيليمون اللي كاينين كاينه واحد المراه ما كبيراش بزاف كيوصل واحد ما شارفاش كبير ما كبيرش بزاف وما صغيراش حدا واحد نونوغس ليمون ديال لونفونس وكاين واحد لونفلوب وفوقو خاتم لونفلوب فوقو خاتم لونفلوب علاش حيت فاش كنقولو جاتك براتك المشاكل اللي كيوقعو فاش المرأة ما كتكونش كدير الأولاد بون حاولت نعال نبينها بالطريقة ديالي وهادشي اللي هذا هو البلان تشوفو البلان كيفاش داير كاين ميغ كوليكتيف بحال كاع الأعوام اللي دازو و انا قدرت نسالي صراحه الحيط هذا قبل الوقت حيت نورمالمون خاصني نسالي 29 وقدرت نساليه دابا وغادي نمشي للميغ كوليكتيف على الدراري اللي يلاه بعدين واللي يلاه باغيين يديروا حيط داكشي نقدر نعاون لك ما نعاونش ça fait 13 ans que je vis au Maroc et là pour cette invitation à Jidar on m'a proposé un mur qui était juste devant la mer et du coup J'avais une photo depuis un petit moment qui traînait là d'un ami qui avait pris un pêcheur à Darla, à la fois sur sa barque et à la fois en train de regarder la mer et de se poser plein de questions. Et j'adore cette photo et je me suis dit le jour où on me proposera de faire une grande murale, et ben j'essaierai de m'inspirer de cette photo et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc on a ce pêcheur qui regarde la mer. Après, la base de mon travail. Je parle du côté éphémère de l'humain et de l'intemporalité de l'écriture. Alors, je pense qu'on s'en est pas tout à fait éloigné avec ce sujet-là, parce que là, ensuite, mes humains vont un peu, la peinture va couler, ils vont un peu disparaître, et je vais rajouter des énormes calligraphies très propres qui vont mettre en avant le côté intemporel de l'écriture et le côté éphémère de l'humain. Voilà. Alors effectivement, en tant qu'artiste, c'est vrai que moi j'aimerais tellement que ce genre de festival puisse se développer et qu'il y en ait partout ailleurs dans le Maroc. Après, c'est quelque chose de difficile d'organiser ce genre de festival et peu de gens savent le faire bien comme les gens de Jidar. Mais en tout cas, je pense que ce serait très très bien pour le Maroc qui en est partout. Et ça peut aussi tout à fait être un premier pas pour que les jeunes accèdent à la culture. C'est vrai qu'on peut être un peu impressionné à l'idée de rentrer dans un musée, dans une galerie. Là, les murales sont offertes à tous, elles sont devant, et je pense que c'est un premier pas pour pouvoir accéder à la culture et puis moins hésiter pour aller au musée peut-être, exactement. On a commencé un mur collectif avec Jidar Toile de rue, qui est un festival qui est organisé ici à Rabat. Là, on a 8 artistes semi-pro qui vont commencer un mur. Il y en a qui n'ont jamais peint des murales, il y en a qui en ont déjà peint à plusieurs reprises. Après, c'est un mur collectif, donc ils doivent tous un peu avoir une espèce de lien entre eux, raconter un peu une histoire. On est ici dans le nouveau stade du FUS. Donc c'est ça, fait qu'on essaye de faire un mur qui est au moins 100 mètres de long sur 4 mètres de haut. Puis là, ben, les dessins commencent à se faire, ça prend vie. On a 3 jours pour le faire. Donc c'est quand même un grand défi pour certains.
Donc ça va être fini le 28. Puis moi, bah, je suis un peu la facilitatrice, j'aide, je donne des conseils. Je suis là pour mélanger les couleurs, pour les aider avec leur gamme. Et c'est ça, voilà.